Méline m'a envoyé chier déjà. J'ai pas fait toutes les maisons encore. Donc mon hypothèse c'est que c'est une ville de fantômes. Une ville fantôme et une ville de fantômes aussi parce que... Il y a les parents de Méline alors qu'on nous a dit qu'ils étaient morts quoi. On peut pas aller par là. Est-ce qu'on peut aller en haut? Ah bah oui, on peut y aller, j'y étais allé. C'est pas ici non plus hein, le coup de la table. Allez, je peux pas me cacher sous sa table. Ouais, c'est vrai que tu vends de la merde. Donc je pense que j'ai tout fait là. Hein. Donc on va aller dormir à l'auberge et peut-être que ça va débloquer quelque chose. Où est-ce que c'est l'auberge d'ailleurs? Il y a un mec qui nous avait proposé de dormir, on n'avait pas voulu. À mon avis, on est obligé pour faire progresser l'histoire parce que là, la fille, elle nous bloque. Où est-ce qu'elle était l'auberge? Ah, c'est lui peut-être, non? C'est ça. Je vois jusqu'à l'extrême gauche, tu ne peux pas la manquer. Les murs protègent des vents de sable et ils déroutent les étrangers. Ah putain, il y a encore de la ville par là. Je vais faire une porte ici si ce gros mur me le permet. Ah, il y a encore une maison. Tu dois être épuisé, j'ai fait ton lit. Prends le lit de devant, dors bien. On va dormir tout de suite. Ah, il y a un mec. Et il y a une table aussi. On peut pas y aller? On peut pas aller sous cette table. Oh, un nouvel invité, je suis Aidin. Belle ville, n'est-ce pas? Les gens sont si amicaux, tu devrais rester. Salle. Ah, on peut pas aller sous la table? Là, j'étais un peu plus caché, hein. Non? Rien? D'où tu viens et d'où tu vas n'a aucune importance, carpe diem. D'accord. C'est une grande table. Donc j'imagine c'est... là derrière. Ah ouais? C'est marrant qu'il n'y ait rien ici. Ah, dis, prends le lit de devant. Quel lit de devant? Ah d'accord, le lit de devant, d'accord. Cette pièce-là, tu veux dire. Ok. Dodo. Et là, tu es resté debout toute la nuit à marcher à côté de son lit, tout va bien. Ouf. Arc debout. Quelque chose ne tombe pas rond. Il y a cette sale odeur, comme de la viande en décomposition. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà? D'accord, racine miracle, mais j'en ai déjà trop. Quoique, je pourrais toujours en utiliser une. Ah bah non, mes points de vie sont à fond, donc non. Ok. C'est marrant, la ville, elle est devenue crade. Ouah, bon, des morts vivants. Arc, c'est le vrai visage de Loran, la ville des morts. On y a créé un mirage pour attirer et bouffer les visiteurs. Burk, partons d'ici tout de suite. D'accord, il y a des zombards, donc... Eh ben, on va buter les zombards. Oh putain, leur tête explose, mais... Putain, est-ce qu'il y a un trou, là? Ok. Ok. C'est tous les gens qu'on a vus tout à l'heure, là? Apparemment. On est passé en donjon, là.
D'accord, faut les taper deux fois, en fait. Oh putain, la table! Je me suis fait agresser par une table, quoi. Oh putain! Attends. Non? Elle parle pas, la fille? Ah oh, putain, je tue des êtres humains, quoi. Oh non, je suis empoisonné. On va se soigner. Tiens, j'en ai des antidotes. Le poison est éliminé. Bim. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un genre de hérisson, hein? Bah là, c'était chez Mayline. Je l'ai bien éclaté. Ah ouais, non mais c'est ça. Putain, mais énorme de se faire attaquer par les tables, quoi. Ah non, mais par contre, elles s'autodétruisent des tables, apparemment. Ah, là, il y a quelqu'un. Je l'ai tué dans son lit. Bam. Donc maintenant... Putain, il repop. On va aller voir Mayline si elle est encore là. Je peux pas aller sous la table. Elle est plus là. Elle est plus là. Oh, par contre, j'ai ramassé un foulard rouge. C'est le foulard de Mayline. Si nous avions un chien, nous utiliserions son flair pour la retrouver. Un chien? Mayline n'avait-elle pas un chien du nom de Turbo? Effectivement, donc on est parti à la recherche du chien. Bon. Les zombies sont pas très dangereux, à condition de pas se laisser empoisonner. Donc on a fait Mayline. On a ramassé son foulard. Faut retrouver son chien. Ben, on va revisiter toute la ville, écoute. Ça me fait marrer, la fille qui est... Oh putain, c'est chiant le poison. La fille qui continue d'avoir un bandana dans les cheveux. Alors qu'elle est morte. La fille, elle empoisonne plus que... Putain, la table. La table, sérieusement. Crève. En plus, sa tête, elle repousse. Pas très bien, ça. Putain. Faut ramper sous les tables, faut faire quoi? Je suis coincé? Je peux pas pousser les... What? Je suis coincé là où je suis? Il y a un mec vivant de l'autre côté en plus. On dirait que je suis coincé. Voilà. Bah ouais, mais où est-ce que je dois aller maintenant? Parce que tout à l'heure j'ai sauté dans un trou en fait, et j'aurais peut-être pas dû sauter dans le trou, mais il doit bien avoir un moyen de revenir, quoi. Oh putain, ils empoisonnent aussi les autres. Super les antidotes, super. Bah c'est bon. Vas-y la table. Ah, chaque fois, elle me fait un petit dégât quand même. Hein. Il y a elle qui est pénible. Bah ouais, mais comment je passe, moi, maintenant? Le mec, il veut pas venir m'aider, là, pousser la table, faire un truc?
Ok. Côté ouest, d'accord. Et comment on repart de ce côté ouest? Parce que la maison de Meilin, j'ai pas l'impression qu'on puisse... Si, peut-être. Merde! Bon là, c'est les parents de Meilin. Putain, la table. Là, c'est la mère de Meilin. Hein. Arrête! Ça va peut-être temps de se soigner. Hein. Comment on se barre du côté ouest? Non, y a rien. Non, y a pas de sortie. Oh là là. Il doit encore avoir un truc évident que j'arrive pas à saisir en fait. Ou une sortie, une porte, un truc que je vois pas. Et du coup je galère comme un con en fait. Ouais. C'est le retour des hérissons zombies. Hop là. Oh oui, mais là je suis coincé. Voilà, ça coince. À moins qu'il y a vraiment une porte, un truc que je vois pas, quoi. Je suis arrivé ici parce que j'ai sauté dans un trou. Mais... Je peux pas remonter ? Mais vas-y, la table. Plus, pourquoi je peux pas sauter sur la table, quoi, sérieusement? Oh, purée, mais quel con! C'était un truc comme ça qu'il faut faire, mais... Ah ouais, putain, c'est ça, faut aligner les tables pour qu'on puisse passer en dessous. Oh, putain, je suis un galérien. Bon, par contre, ouais, non. Ah oui, j'ai solutionné la moitié de mon problème, en fait, là. Attends. Si je vais là, je peux pousser. Oh, putain, c'est ça. Oh, bordel, je suis nul. Je t'ai rencontré à l'hôtel. Qu'est-il arrivé à cette ville? Je viens de loin pour découvrir la ville des mirages. C'est incroyable. Si je m'en sors vivant, j'écrirai sur cette ville un conte terrifiant. Ah, t'es pas là pour m'aider, en fait, toi. T'es vraiment un touriste. Non. Bon bah, je chercherai si j'ai pas loupé un truc avec les tables. Putain, il y en a plein, là. Ouais bah ça y est, je suis empoisonné, c'est super. Et si je sors d'écran, je suis toujours empoisonné? Oui. Oui, le poison il est sans pitié, voyons. Je vais rien faire du tout, je vais me soigner. Putain, j'ai plus que 4, j'ai plus que 3 antidotes du coup. Bon. On va y aller bien comme un bourrin. En plus, ils ont aucune attaque, quoi. Il suffit de... Ils ont aucune attaque, en fait, si. Elle m'a acheté sa tête.
Bim. Bon. On a fait un peu le ménage. On peut aller là? Oh putain, il n'y avait pas avant côté est, on pouvait pas y aller. C'est quoi ces mobs? Un basilic. Chonchon sème de la poussière d'eux. J'en prends plein la gueule. Donc la difficulté vient d'augmenter d'un cran là. De la poussière de verre. Ah mais ça pique les yeux quand même. Hein. Arc fait un petit dodo. Saloperie. Bon là faut se soigner par contre. La difficulté d'un coup. Ça s'est rehaussé. Côté. Eh, on pouvait pas y aller, il me semble, ce côté-là tout à l'heure. Oh là, il y a. Ah putain, ouais, il y a eux. Perd la tête. Borfès perd la tête. C'est des espèces de tortues qui font du kung-fu, là. Oh, Magiroc. Magiroc. Donc, on va dire que c'est le troisième. Enfin, c'est le troisième, mais c'est pas le troisième de ma liste, je pense. Je les trouve un petit peu dans le désordre. Putain, il y en a du mob. Oh oui, il y a des passages par là. Putain, ça... Donjon a l'air assez grand quand même. Hein. D'accord, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Mais je l'avais pas vu, ce machin. D'accord, en haut, il n'y a pas de maison. Mais non! Je suis passé à travers toi, t'as pas le droit. Ah là là, difficulté vraiment, ouf. Ah, c'est les mobs qui ont des patterns pénibles en fait. Voilà. Et on va se re-soigner. Est-ce qu'il n'y a pas de raison? On pouvait pas venir ici, on pouvait pas venir de ce côté-là avant, j'ai l'impression. Ah, il y a eux. Ah, 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 ah. Putain, je l'ai buté, j'ai pris l'escalier en même temps. Oh là, ils ont l'air chiants. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, oui, merde! Ok, 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 c'est des mobs qui te renvoient au... Qui te renvoient au début, en fait. J'ai pas fait ces... Ah, est-ce que je peux me cacher sous la table? Je peux, ça sert à rien, mais je peux. Il y a un Magiroc, là. Oh putain, et il y a des mobs. Eh, hey, il y a du Sokoban. Alors. Oh putain, c'est des énigmes à la con. J'aime pas ça. Bon. J'ai reçu des haillons, c'est merveilleux. Ça, des trucs qui étaient sur ma liste. Bon, par contre, c'est pour rigoler. Et je vais vous montrer. Les haillons. C'est où les haillons? Voilà. Les haillons, moins 15 par rapport à mon armure actuelle. C'est une très mauvaise armure en fait.
Bon, par contre, je veux le coffre du bas. Alors, on va tuer les petits machins, là. Si je fais ça. Et ensuite, je fais ça. Et ensuite, je fais ça. Et ensuite, je fais ça, ça passe. Un antidote, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a à la boutique de l'autre côté? D'accord. Rien, juste des zombies. On peut aller par là? Ouais, on peut aller par là. Attends, et là on retourne à l'auberge en fait. Putain. C'est qu'il y a beaucoup d'ennemis en même temps en fait à l'écran. C'était assez rare. Dans les autres zones du jeu, en fait. On va voir si j'ai rien à louper à l'auberge. Non, rien. Ah, si je me cache là, non ? Rien de particulier. Et là, c'est la chambre où j'ai dormi. Bah d'ailleurs, on va aller chercher la racine miracle pendant qu'on y est. Hein ? Et donc en haut, c'est là où j'avais sauté. Et où je m'étais retrouvé par chez Maylin. Donc c'est pas par là. Donc faut retourner là où les ennemis m'ont transporté. Est-ce que c'est là qu'il faut aller? Je suis pas sûr. Pas sûr du tout, mais bon, pourquoi pas. Il y a plein de gens là. Je peux aller sous la table? Ouais. Le mec il teste toutes les tables. Et bah voilà, je suis empoisonné, je m'en doutais. Je sais pas si le poison il s'arrête au bout d'un moment, mais j'ai pas envie de le tenter en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc intéressant par là? Oh! Un Magiroc. Ok. Je tombe sur la Magiroc relativement sans fouiller, c'est cool. Oh! Le bâton lumière, ça aussi c'était sur ma feuille. Hop là. Alors. Ça par contre on l'équipe. Ça fait pas beaucoup plus mal, mais peut-être ça fait très très mal aux zombies vu que c'est une attribut lumière, vous voyez. Alors que je me bats contre des zombies quoi. La logique de tout bon RPG. Bon, y a rien, hein. Y a rien d'autre apparemment. Je me renseignerai sur... parce que là, le tournage va s'arrêter. Hein. Je me renseignerai sur le coup du dialogue secret sous la table. Parce que j'ai pas trouvé, j'espère que je me suis pas loupé. Hein, parce que maintenant, le village s'est transformé en zombie, donc... Allez, on tue 2-3 zombies. On en tue 2-3 là. Bah voilà, on va s'arrêter ici, je pense. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à bientôt !